Voilà, bonjour les gens, bienvenue sur ce live sur Euro Truck Simulator 2. Vous aurez vu que la caméra ne filme pas le volant parce que je vois pas l'intérêt de filmer le volant en fait. Encore le clavier à souris, je veux bien. Autant le volant, bah voilà, vous avez qu'à regarder le volant. Désolé. Voilà. Vous avez qu'à regarder le volant du camion, hein, c'est la même chose. Ouais, désolé. Oh, c'est magnifique. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir Bubble. Ou Bubble, c'est quoi tu veux. Il s'appelle Bub. C'est pas Bubble, c'est Bub. Bah bonsoir Bub. Bubble, c'est son nom de famille. Bub, Bubble. Bah oui, parce que l'autre joueur s'appelle Bob. Du coup, bah Bob, elle, Bub, c'est son nom de famille, du coup. Bubble, oh mon dieu. Bah oui, il s'appelle Bub, son nom, vrai nom, c'est Bub, c'est Bubble, Bubble. Putain. C'est ça le vrai nom du jeu. Ça fait pitié. Bah, c'était pas très inspiré, je pense. Je sais pas, c'est dans un con qui crache des bulles, tu peux appeler ça comment autrement. Des dragons qui crachent des bulles. Salut oui, Tichet, salut Adilou, salut Labo. Oui, salut Tichet. Salut Labo, salut, je sais pas personne, je te fais des bisous sur tes fesses parce que je t'ai pas reconnu. D'accord. Oui, non, je vais pas écouter, je fais des bisous sur les fesses quand j'écoute. Putain, je t'imagine pas en tant qu'homme politique, hein. Monsieur Bigomi, vous êtes avec nous? Attendez, pourquoi vous baissez mon pantalon? Non mais ça va. Eh quoi, je vous écoutais pas, alors je vous fais un petit... Un petit bisou sur les fesses. Putain mais non. Je sais pas pourquoi, mais il y a certaines journalistes, je crois que je ferais exprès de pas les écouter. C'est clair. Vous n'avez rien entendu. C'est clair. C'est quoi ce lien qui charge pas? Quel lien? Le lien sur la taverne de YouTube ne charge absolument pas. Tu plies pas ton plomb? Non, parce que j'y arrive à y accéder normal. Bah déjà sur Twitch, il y a Wisebot qui ouvre pas sa gueule. Je sais pas, on dirait que Wisebot est down. Par contre, YouTube, t'as quelques secondes, merci. J'ai pas besoin d'entendre un double. On dirait que Wisebot est bien down. Alors ça là... Tac, réglage la deuxième fenêtre, la fenêtre de... Si, Wisebot a parlé. Ouais. Oui. Moi je joue ma gueule, putain, je joue ma gueule. D'ailleurs c'est marrant parce que Tipeee Stream, je lui avais dit, n'affiche pas les bots, il affiche Wisebot. Et tu te fous de ma gueule un peu ou... Là ce que j'ai écrit c'est... Moi je joue ma gueule, putain, je joue ma gueule. C'était pas ma gueule, colonel. Joue ma gueule, colonel. Sinon, je ferai une guerre contre un truc que t'as jamais vu! Bon, il faut que je me méfie parce que. C'est là où il s'est pris. Et la guerre commencera. Au plus profond de ton cul. Non. Bon, il faut que je prenne la route de gauche. Ok. Dès que je peux tourner à gauche, je tourne à gauche. Et en même temps, là, les gens, vous pouvez rien me reprocher sur ce que c'est le live, hein, c'est les votes, hein, moi. Ce soir. Ouais, j'ai fait un straw poll en mode vous voulez me voir jouer à quoi ce soir et vous avez fait Euro Truck Simulator 2 par 5 votes contre 2 pour Darkwing Duck sur NES. Il y a un des votes c'était moi alors. Pour Darkwing Duck. Oui, c'est ça, ça, origin, oui, c'est ça. Bah moi quand je suis venu j'ai vu qu'il y avait déjà 4 votes pour Euro Truck, j'avais envie de voir un rétro. Oui. Bah en même temps moi je me plie à la volonté des gens. Eh, salut Léo Leschti et bienvenue sur le live. Eh ben bienvenue. Oui, t'as beau ne pas parler, je sais que tu es là. Wisebot voit tout. Wisebot sait tout. Wisebot voit ton historique internet. Laisse-moi voir ton historique internet. Laisse-moi voir ton historique internet. Gros porc. Non, ne m'approche pas, gros porc. Non. Oui, Snake, mets-moi de la chantilly sur les tétons, quoi, c'est parfaitement pour toi, je sais ce que je fais. Pourquoi il fait tous ses discours en mode Derrick et ses hommes dragués alors qu'il sait pertinemment. Enfin, je pense que Snake est assez intelligent pour savoir que c'est pas vrai, quoi. Oui, c'est ça. J'espère quand même pas qu'il sous-estime Snake à ce point, quoi. Parce qu'en fait, il a tous ses deux. Ah bah non, il a tué personne avant, je me rappelle. Il a tué que des larmes à la cour. Oui, tu m'étonnes en fait qu'il le. C'est parfaitement pertinent, je sais ce que je fais. Si commenté, je crois que c'est un des derniers boss. C'est ça. De quoi, de Metal Gear 1? Non. Oui. Non. Bah, non. C'est pas un des premiers, mais c'est pas un des derniers. C'est pas le dernier non plus, hein. T'as pas affronté grand monde avant lui, hein. C'est le middle. T'as déjà affronté Sniper Wolf. T'as affronté la première fois, mais pas la oui, deuxième. T'as affronté Sniper Wolf une fois, et en fait, bah non, c'est ton deuxième boss, en fait, Psychomantis.
Oui, c'est comment est-ce que j'ai battu avec la manette dans le port 1 Troisième, parce que si on réfléchit bien, tu as aussi. J'ai rendu les super dangereux. C'est important ça. Quoi? Elle est vachement bonne. C'est hyper important. Il y a Sniper Wolf et il y a. Revolver en slot, c'est un de mes combats préférés. Pareil. J'adore ce combat. Par contre, Parce que c'est lui qui a créé le festival du Fist. Oui, avec sa main. Peut-être. Et Psycho Mantis, en fait, je l'ai refait dernièrement avec la manette dans le port 1. Alors je confirme, ça prend bien 40 minutes pour le battre. Ah bah, et mon let's play, tu crois que je l'ai fait comment? De quoi? Bah, j'avais fait avec la manette dans le port 1. Hein. J'en ai chié. En fait, le seul truc pour le battre avec la manette dans le port 1, et là c'est la technique des pros, si vous voulez vraiment faire ça, laisser tomber toutes les armes, c'est au pied au point. C'est ce que j'ai fait. T'as pas moyen de le toucher autrement, et t'as pas tous les coups qui touchent. Hein, Ah non, c'est un coup à l'arrache de temps en temps. C'est ça, et de temps en temps tu peux le toucher avec une arme, mais c'est très rare. Oui. Non, puis moi, ce que je me rappelle, c'est la première fois que j'avais battu Psycho Mantis, hein. C'est après, t'as la cinématique en mode, je vois, tu avais donc utilisé le deuxième contrôleur, et moi j'étais en mode, ah, c'était comme ça. D'accord, je retiens. Merci pour l'impôt. Prochaine fois que je te bats, ok, j'y manquerai pas, hein. Alors, je reviens d'ici je reviens d'ici une dizaine d'heures avec un camouflage optique et on en reparle, ok? Ouais, voilà. Ah, non, avec les armes infinies, suivant non, ce que je... Écoute, Piano, Snake, tu es triste pour moi, ouais, c'est comment dire. Malgré le fait que vous ayez tué des dizaines de personnes et que vous ayez fort poussé Marie à se suicider avant de la violer. Et maintenant, vous êtes en enculé, en fait. Sinon, Xivi, ton micro est dégueulasse, hein. Je sais, c'est le micro de base. Non, c'est pas le micro de base, non, là c'est le micro avec avec toutes les merdes, là. Ah. Avec un antipop mal popé. Voilà. Avec la suppression du bruit et tout le merdier. Ah, mais je peux pourtant pas toucher cette merde. Et salut Alilou sur Twitch. Oui, parce qu'il faut préciser. Tu es toute seule. Tu es seule. Que fait une jolie fille toute seule dans une rêve sombre? Que fait une aussi jolie fille comme vous dans un chat Twitch aussi mal famé? Bah y'a personne, on peut pas dire qu'il est mal famé en fait. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout hors de la cave? Je l'ai pas libéré, merde. Ouais, qui a essayé de porte ouverte? Non, mais tu lui avais donné accès à internet. Non, elle était privée, elle a pas été gentille. Quoi, elle a pas été gentille? C'est bon, elle a été regarder Shiro quand il a fait son live. Non, justement, elle est pas venue. D'accord, ok, on ferme là dans la cave à double tour. Triple tour! Et j'arriverai. Tu mets le gros cadenas. Celui que j'ai les clés parce que je compte y aller plus tard. Oui, tu mets le gros cadenas et tu mets aussi le gros cadenas sur sa ceinture de chasteté. Ah non! Non, mais pour pas qu'elle se touche. Mais non, c'est pas grave, je suis avec elle dans la cave. Oh. Ah, alors. C'est donc ça, c'est cri étouffé qu'on entend depuis tout à l'heure. Okay. Chut. C'est... Non, c'était Kenny. Non, il y a rien du tout comme parfait de base. Oh, mon Dieu. Oh, après tout, ça n'a jamais tué personne, enculé. C'est ça. Mais en fait, dans Metal Gear, je suis le seul qui s'est jamais fait pisser dessus avec le carton et qui attendait juste d'avoir le foulard de Sniper Wolf. Non, c'est pareil. Parce que j'aimais pas tuer des loups, en fait. Moi non plus. Je sais pas jouer au jeu. Alors, moi, j'y ai joué, en fait, et j'ai eu un mal fou à trouver une ROM en français. Enfin, une ISO en français. Oui, je m'en rappelle. Comme je dis, depuis que j'ai un PC, les jeux solo, tu m'oublies, quoi. J'aime bien un jeu solo de temps en temps. Oui, moi aussi. Moi non. Faut pas arrêter ça, c'est super énervant. Après les jeux où c'est que y a l'option multi en ligne, oui j'apprécie. Quand t'as des potes pour jouer. Oui, quand t'as des potes. Voilà. En fait, avant que j'aie Discord, j'avais que Skype et j'avais jamais personne de connecté dessus. Du coup je jouais tout le temps tout seul. Moi j'avais Skype et je m'en servais rarement, mais j'étais sur mes MMO. Donc bon. Voilà. En fait Discord nous a tous rapprochés, c'est beau. C'est ça. En fait, je suis le genre de mec qui avait Skype, mais qui l'avait juste allumé, genre si les gens voulaient me passer un petit coucou. Parce que c'est pas ça. Moi qui y allais. Oui, moi aussi. Je suis en dire pas déranger. C'est pareil. Oui, non, mais Skype il est allumé là, hein, mais bon, bah y'a personne. Hein. Ah, moi non. Y'a même pas de qui dessus. Skype si. Il a plus tourné depuis 50 ans. Moi non plus, parce que ça tourne toujours en fond et ça bouffe à mort cette saleté. Bah non, là moi il est pas allumé.
Ah non, moi j'ai pas Skype, hein. J'ai le plugin qui fait tourner Skype sur Trillian. C'est bon, hein, j'ai pas téléchargé le logiciel Skype, hein, laisse tomber. Oh. Ça bouffe 10 fois trop de ressources, cette saloperie. Bah, l'autre jour, quand on voit avec Tina, ou c'est qu'on avait une convo groupée. Donc, ouais. C'est bon, on était tout le temps dedans. D'ailleurs, en fait, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'achète chez iPhone, c'est parce que Skype est de base maintenant sur les téléphones Samsung et DOS Phone. Et tu peux pas le retirer. Si, tu l'es pas sans route. Oui, mais sans router, tu sais pas. Oui, bon, ton iPhone, il est jailbreaké, alors tu me dis où est la différence? Oui. Le mien, bah, moi, c'est juste une application que j'ai téléchargée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ton iPhone, il est jailbreaké, alors de toute façon, même si t'avais un téléphone Samsung, tu l'aurais passé en route et t'aurais viré Skype. Donc bon. Non, parce que justement, c'était juste les trucs qui m'intéressaient sur Samsung que j'ai mis sur mon. Petit chat, je peux dire qu'une des dernières fois que t'as utilisé Skype, c'était avec moi quand on jouait à League of Legends à l'époque. Ça monte. Et d'ailleurs, faudra que je refasse une partie de League of Legends. Bon, en même temps, à partir de mercredi, je bosse plus. Enfin, à partir de jeudi, je bosse plus, donc j'aurai le temps de me remettre à League of Legends. Ouais. Moi aussi, il faudra que je me rallume. Moi, pareil. En plus, je l'ai mis à jour, quoi. Oui, moi aussi. En fait, faudrait que je le réinstalle. Je l'ai pas réinstallé depuis. Depuis les dernières rames qu'on a fait. Mm-hmm. En même temps, je vous rassure, hein, la prochaine partie de League of Legends, elle sort le 25 décembre, ça va, on a de la marge. Pour Noël. Donc nous, on a enregistré, mais c'est que des défaites sur des défaites, du coup. Ouais. D'ailleurs, faudrait que je les monte. Faudrait que je les monte et que je les foute. Ah oui, même pas, c'était sur Mumble, c'est juste. J'avais installé Mumble. Et en même temps, League of Legends, bah voilà. C'est pas contre toi, Shiro, j'aime bien le jeu. Et je préfère quand même Heroes of the Storm. J'ai jamais dit le contraire. Moi, j'aime bien les deux. Franchement, les deux se valent. Bah, moi, le seul truc, c'est que tu me passes Harry sur Heroes of the Storm, bah c'est bon, League of Legends va aller se faire foutre. Hein. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Tu me passes les persos de League of Legends sur Heroes of the Storm, y'a pas de soucis, moi je suis sur Heroes of the Storm. Hein. Bah, c'est surtout que Heroes of the Storm, moi ce qui me fait chier dans League of Legends, c'est une seule map. Je m'emmerde. Putain. Ouais, c'est toujours la même. Ouais, ça c'est vrai. C'est un des trucs que je reproche au jeu, mais après, t'as tellement de variations de gameplay parce que t'as tellement de persos différents que je trouve ça plus fun. Oui, mais j'aime bien avoir plusieurs maps, c'est ça le truc. Le truc, c'est que 80% des joueurs se plaignent justement qu'il n'y a qu'une seule map. Et ils n'en sortent pas. Maintenant, je te dis, imagine un crossover, hein, League of Legends versus Heroes of the Storm. Hein. Mais tu sais que Blizzard en avait parlé de ça. Hein. Mais ça serait une bonne idée. Hein. Ils avaient lâché le un petit indice en mode il est possible que les deux jeux fusionnent un certain temps histoire que les deux communautés se rejoignent. Oui, et Riot est lâché. Non mais sérieux mec, on a trois fois plus de joueurs que toi. Tu veux vraiment qu'on fusionne avec toi, ça va pas. Non mais genre ce serait pour un event et apparemment Riot il est pas contre. Hein. Bah non, c'est un attention. Ça serait sexy, hein, moi aussi. C'est de la pub gratuite et en même temps, moi j'ai vraiment envie de voir les matchs hardcore League of Legends contre les casus Heroes of the Storm. Franchement, j'ai envie de voir. Sérieux. Non, parce que Heroes of the Storm c'est un peu plus casu que League of Legends, hein. Il faut quand même. Ouais. C'est compliqué en fait. Moi ce que je trouve compliqué, c'est surtout pour choisir l'équipement que tu dois prendre. Oui. Tu sors Veigar et c'est fini, toute la team de Heroes of the Storm, elle peut aller se rhabiller. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Veigar face à Artanis. Oh ouais, t'inquiète. Non, un Artanis bien stuffé, non, tu... Vous savez que Veigar peut taper à du... Vous savez que Veigar, il peut taper sur du 10 000 de dégâts. Bah oui. Oui, mais le plus gros DPS possible dans Heroes of the Storm ne tue même pas Artanis. Je te rappelle qu'il y a le troll qui peut one shot avec un de ses ults. Mm-hmm. Et ça tue pas Artanis. Non. Il a son bouclier de survie. Non mais par contre là je veux pas. Je sais que le jeu ne mais franchement Veigar pourrait le faire parce qu'il peut constamment augmenter ses dégâts puisque peu importe ce qu'il tue en fait ça augmente ses dégâts. C'est ça. Et ensuite il suffit qu'il fasse un petit peu de dégâts sur un ennemi, il lui lance son ulti et t'inquiète pas que ça lui fait X dégâts plus ce qu'il a déjà retiré à l'ennemi. T'imagines s'il l'a foutu mid lane. Plus le bouclier qui s'active automatique. Tu le comptes? Oui, mais tu sais, Veigar, il a de la pénétration magique de base. Voilà, de base, de grande base. Ça va peut-être se trouver. Moi, je dis non, il le one shot pas. Il le met mal, mais il le one shot pas. En fait, le truc, c'est que moi perso, je me suis habitué à Tracer sur Heroes of the Storm. Hein.
Et j'arrive pas. J'ai regardé hein, dans tout le cast de League of Legends, mais je trouve pas de perso similaire. Y'en a pas. Du coup, moi je me suis habitué à un gameplay qui n'existe pas sur LoL. C'est pour ça que j'ai du mal en fait. Moi, le gameplay que j'ai sur LoL, j'apprécie beaucoup. Lee Sin, Vi et. Atrox. Atrox, putain, Atrox, il est sexy lui. Non, parce que les finishers, ça Zetri, il peut en parler hein, quand on a joué contre des joueurs. Les finishers que j'ai fait sur les espèces de connards qui essayaient de se barrer, que j'étais en mode triple dash dans ta gueule, prends ta bombe, au revoir. Je sais même plus qui j'avais pris quand on avait été en partie contre des joueurs. Je sais même plus qui j'avais pris. C'était avec ton moine healer là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, oui. Bonsoir Cookie. Bonsoir Cookie. Salut Cookie. Mais ouais, non, les deux jeux se valent, franchement. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas, j'aime beaucoup Blizzard, mais alors, je trouve qu'il n'y a pas assez de persos dans Heroes of the Storm. Il y en a une chier pourtant, hein. Ouais. Ouais, mais bon, tu peux pas tester. T'as 139 persos contre une trentaine, bah. Non, ouais, il y en a plus qu'une trentaine. Hein. Je crois qu'ils ont atteint les 50-60. Ouais, là, on doit être plus à. Ouais, non, plus 78 ans de persos, là, facile. Oh, je suis pas sûr ça, les 78 ans. Je sais pas. Quoi qu'il y a Alex Treza et Enzo qui sont arrivés aussi. Oui. Enfin, Enzo pas encore, mais Alex Treza, elle est arrivée. Bon, par contre, tu m'expliques pourquoi Heroes of the Storm, il arrive à avoir tout le temps des nouveaux persos de manière régulière, et puis Overwatch, putain, tu dois attendre une demi-année. Sérieux. Bah, parce que Heroes of the Storm, ils refont juste les gameplays de... Enfin, ils reprennent juste des persos qui sont dans d'autres de leurs jeux, en fait. Ils ont juste à les remodéliser pour le point de vue et voir un peu... Ils ont même pas besoin de les remodéliser pour... Si, si, si. Juste les rayures de taille, et c'est tout. Non, par exemple, pour un des gros persos qu'ils avaient sorti, l'espèce de boss, là, je sais plus comment il s'appelle. Diablo, par exemple. Lui, il a été remodélisé, par exemple. Bah oui, ça c'est logique. En même temps, t'imagines, t'aurais le Diablo qui fait 12 mètres. Mais l'autre là aussi, là, le gros squelette, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est un boss de Warcraft. Bah, il est obligé d'être remodélisé en entier parce que il prenait trop de place à l'écran. Oui. Ils l'ont remodélisé au moins 3-4 fois. Ouais, bah c'est comme certains persos de LoL. Hein. Par exemple, tu prends Malphite, sa véritable taille, il fait la moitié de la faille de l'invocateur. Ouais, super, tu joues ça, t'es en mode bon bah GG, on a gagné. GG, hein. voilà. Je suis déjà sur votre Nexus, j'ai mes couilles dessus là. Là, j'ai mes couilles posées sur votre Nexus, il essaie de tirer dessus, ça chatouille un peu, vous pourriez lui dire arrêtez. Il est en train de me raser les couilles, putain. Mais en plus vrai. Il fait sa main là. Oh putain. J'en ai marre de me retrouver sur cette île enneigée à la con à chaque fois que je joue à ce jeu. Là, c'est vrai qu'après niveau perso, LoL a beaucoup de persos qui sont intéressants. Ça faut quand même se le dire. Même s'il y a des persos, c'est de sacrés salopes hein. Du genre Timo. Non mais tout le monde déteste Timo. Avant même que je sache que c'était League of Legends, je savais que les trois quarts des gens détestaient Timo. Moi j'aime bien Timo. En fait, la première fois où j'ai réellement entendu parler de League of Legends et que j'ai eu envie d'y jouer et que j'ai essayé, c'était la sortie de Jinx. Ça remonte. Ouais. C'était il y a très longtemps en arrière. Puis d'ailleurs, Jinx, elle est bien en fait. Oui. Enfin, moi j'aime bien perso. Je trouve qu'elle est. Bah, ouais, en fait, c'est un peu comme. Ouais, sympa. En fait. Jinx, je pense que ça pourrait te faire penser à Tresor parce qu'elle a vraiment le même style de tir. Son passif, c'est que quand elle tue quelque chose, elle peut dasher et courir très vite. En fait, moi j'aime bien les persos, j'ai pas besoin de cliquer sur l'ennemi, tu t'en approches et pouf, ça tire. Bah voilà. Ouais, bah c'est ça, Jinx. C'est de l'auto-hit. Moi j'aime bien les persos à auto-hit en fait, c'est ça. Bah Jinx, c'est ça à peu près ça. Tu regardes, tous mes mains sur Heroes of the Storm, c'est tous des persos à auto-hit. Je suis une vraie pute en fait. Alors que sur Overwatch, Tracer. Ouais, je la déteste. Je sais pas jouer Tracer sur Overwatch, mais sur Heroes, c'est bon, je peux te péter le cul avec. Pas de soucis. Quoique maintenant t'as Ana hein, sur Heroes. Ouais, mais j'aime pas du tout son gameplay sur Heroes. Vraiment. Je vais pas essayer perso.
Non, mais le fait que tu ne puisses pas tirer sur tes alliés comme Anna, genre de Overwatch pour les healer, et qu'ils fassent, qu'ils pas utiliser un skill et attendre avant de pouvoir les healer, non, ça me saoule. Ah ouais, c'est à ce moment-là. Ouais, c'est à ce moment-là. Bah après, t'as l'œil d'Horus pour ça. Oui, je sais, mais c'est chiant. Ah, mais c'est ça remplace le nano boost par contre. Ouais, mais c'est chiant, il faut un nano boost. Anna oui, sans nano boost, on a vu Tracer. À quel point c'était sexy. Oui, Anna sans nano boost, c'est comme Tracer sans sa bombe, hein, tu. Mais Tracer est une bombe. Oui, non, mais Tracer est une bombe, mais imagine Tracer sans sa bombe. Oh, mais le cul de Tracer. Bah, c'est comme merci sans Farez. Ah, mais excusez-moi, c'est déjà arrivé. Ah, c'est comme Ange sans Farez. Ah, pardon, j'ai rien dit. Pardon, c'est dans le jeu de maintenant. Arrêtez de tirer sur cette ambulance, putain de merde. C'est comme Ange sans sa res immédiate. Ah oui, c'est vrai, maintenant ça prend 1 seconde 75, tu sais, dans un jeu ultra rapide. LOL. Pourtant, il fait un temps où tu jouais beaucoup Tracer sur Overwatch. Oui, Citrouille, il fait un temps que c'est classe de jouer uniquement Tracer. Oui, c'était mon premier main, en fait. C'était un main DPS. Et ensuite, j'ai commencé à réaliser à quel point le fait de jouer que DPS était incroyablement égoïste sur ce jeu. Moi, m'en fous, je joue tout, sauf tank. Alors effectivement j'ai eu ma grosse phase May, hein, 250 heures sur May, je crois que ça se voit. Mais non, bah là maintenant je pense que n'importe qui regarde mes lives dernièrement peut dire qui sont mes mains. Hein, c'est un peu des healers. Mais non, ouais, mais toi, tu joues un petit peu Zarya. Tu joues un petit peu quoi? Non, parce que je disais je joue tout sauf tank, mais c'est vrai que oui je joue Zarya, mais quand je sors Zarya c'est rare quoi. Non mais ouais, quoi, Chiro, tu joues un petit peu quoi? Zarya. Zarya, c'était pour Zetri parce qu'il disait qu'il jouait pas tank. Oui oui, t'as Zarya, non mais en même temps, Zarya c'est un très beau DPS déguisé en tank. Ouais, mais quand je la sors, c'est soit quand il n'y a pas de tank et que j'en ai ras le cul, soit que j'en ai ras le cul tout court. Ce que j'aime bien moi, c'est qu'ils avaient créé Mei comme solution, tu sais, pour faire en sorte que les persos très rapides, genre Genji ou Tracer, ils soient emmerdés. Et en fait, ce que contre le mieux Mei, c'est... Putain ! C'est Tracer. Non. Une Tracer qui se fait jouer par Mei, c'est qu'elle est abrutie. Mais il faut quoi ce camion de merde là ? Waouh, le bus. Ah ouais, et par contre, les gens qui sont dedans, ils sont pas paniqués, mais du tout. Ouh, les bus. Non mais, je veux savoir, là, ce camion, qu'est-ce qu'il foutait ? Ça, le mec s'est fait un affaire dans sa cabine ou quoi? Enfin bref, je voulais dire, donc Mei est censé contrer Tracer et Genji, alors que Tracer et Genji en général ils passent leur temps à n'avoir rien à foutre, hein. Oui. Et bon, par contre, ce qu'elle contre, c'est les persos qui ont déjà pas beaucoup de mobilité, hein. Genre un soldat, un McCree, une Anna, combat corps à corps contre Mei, c'est pas eux qui gagnent. Non, mais à distance, oui. À distance, mes clics droits ils font très très peur aux gens en général. Oui, mais bon, si ma crise s'est visée, voilà. En fait, le truc, c'est que les pics de glace de Mei sont extrêmement destructeurs. Yep. C'est pour ça que quand il y a des mecs qui proposent... C'est pour ça que quand il y a des mecs qui proposent des buffs à Mei en mode... Ouais, allez, plus de délai sur le clic droit, comme ça, elle serait plus viable. Moi, je suis en mode, non, non, j'ai passé 250 heures à m'habituer à ce délai. Tu me le retires pas, maintenant, hein. C'est ça. Touche pas à ça, petit con. Non, et puis il y a plein de monde qui disent que ouais, Mei elle a besoin d'un buff, elle a besoin d'un buff. Non! Mei elle va très bien! Foutez-lui la paix! Faites-la chier pas, elle est très bien comme elle est! Elle est déjà assez chiante comme ça! Je veux dire, si Mei t'as besoin d'un buff pour la jouer, c'est que c'est pas ton perso, arrête! Je peux t'en donner des persos qui ont besoin d'un buff en tête, Ange pour l'instant! Hein? Ouais! Voilà! Quitte à lui retirer des dégâts de heal, au moins mettez-lui des dégâts de... Enfin, quitte à lui retirer du heal et du reste, mettez-lui des dégâts dans ce blaster. Ouais, c'est ça. Non, parce que son blaster, c'est toujours un lanceur de petits pois, hein. Voilà, qui rend le blaster, du coup, vu qu'elle peut plus heal autant et régène, surtout, qu'à l'époque, que le blaster devienne X-Can. Ah, t'es débile ? Mais le truc, c'est que le heal de Ange est pas si élevé que ça. Et la grosse compensation pour le manque de heal de Ange, c'était sa res. Bah oui. Je veux dire, pourquoi Anna n'a pas de res, à ton avis? Parce qu'elle fait des gros bursts de heal. Je veux dire, t'as vu ton Winston avant en 4 flèches, je t'ai refoutu full life, t'étais dans le rouge.
C'est ça, et moi je t'ai foutu à 30% de ton ult. C'est ça, j'ai pris 30% d'ulti avec un Winston, avec 4 fléchettes de soins. Merci, c'est genre, tu dois healer à fond pendant 7 ou 8 secondes. Hein. C'est ça, sachant que qu'il me restait 15 CD. Voilà. J'avais pris très cher. Donc là, mais j'avais tué. Mais là, c'était, ouais, quoi, ouais, c'était 4 ou 5 secondes, c'était 4 ou 5 fléchettes, c'est tout. Moi, ce qui me fait rire, surtout, c'est que les healers arrivent à régénérer l'armure des persos. Ouais. Non, ça, c'est tu peux pas tester. Tu sais, c'est truc dans un jeu où quelqu'un peut ressusciter comme ça. J'adore ce bus qui dépasse à 80 à l'heure, là où c'est limité à 130. Putain. Oui, du coup, ça veut dire que Anna, quand elle te met une fléchette, en fait, sa fléchette se transforme en armure de plaque. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça fait fondre de la plaque sur la teub. Non mais mec, non. Si tu n'es pas capable de dépasser à la vitesse autorisée, casse-toi de la boîte gauche. C'est ça, s'il te plaît. Exemple, non parce que là, ça bloque les deux voies. Hein, ça bloque les deux voies, c'est tout. Laboratoire, je veux pas comprendre ta phrase. Demande s'il va bien son camion. Mon camion va très bien. Ouais, mais c'est quoi les trois barres qui avancent en E? C'est un I et deux L, mais je crois qu'il a... Il a écrit très vite. Attends. Il va bien ton camion, oui, c'est ça. Non, mais ce qui m'énerve là, c'est que je me suis pris une amende et tout parce que l'IA elle a bugué au milieu de la route. Sérieux? Le mec a fait n'importe quoi. Moi je te dis, le mec il a fait. Il a tout lâché sur la route, il était en train de nettoyer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais il aurait pu se parquer, hein, putain. Oui, pas faire ça en plein milieu de la route. Le mec, tu sais, il avait une envie pressante. Ah bah tiens, il y a Ikea là-bas. Je et non, mais je suis sérieux, il y a réellement le logo, il y a réellement Ikea là-bas. Je livre chez Ikea. Oui, bah, ils peuvent crever quand même. Non, mais je suis en train de livrer chez Ikea en fait. Et pour de vrai, hein. Que tu as, hein. Ah, je vais au quartier général d'IKEA. Qu'est-ce qu'il y a, Elise, avec ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a, Elise, avec ce bruit? C'est quand tu fais le bruit de la masturbation. Mais non, mais ce bruit me donne envie de vomir à chaque fois que tu le fais. Tu pourrais éviter, s'il te plaît? Pourquoi ça donne envie? Parce que c'est un bruit qui me dégoûte. Le bruit de la masturbation te dégoûte. D'accord. Non, ça, c'est pas un bruit de masturbation, ce que tu fais. C'est un bruit de squirt. Voilà. Oui. Il me. Ça revient au même. C'était pas un casse vitesse que tu t'es pris. C'était une putain de bulle, une putain de bulle. Oui, c'est ça. C'était quoi ce truc? Putain, le casse vitesse qui te casse les vertèbres au passage, quoi. Bon, attends, avant de refaire off de frais, je vais peut-être aller réparer mon camion. Oui, ça pourrait être pas mal. Mm-hmm. Éviter de tomber avec moteur HS en plein milieu de la route. Je sais pas combien de pourcents t'es là. 14%. 1% et c'est pas bon. Hein. Et encore, à 14%, il peut quand même tomber en panne. Pouah. Le petit camion en mousse. Qui est mort dès qu'il se prend un bloc. Non, qui se casse dès qu'il se prend un bus. Ce qui me tue, c'est que t'avais les passagers dans le bus, là, ils étaient en mode « Ok, rien à foutre !» Non, mais les passagers qui étaient en mode « encore un camion dans la gueule, quoi, putain !» C'est le troisième aujourd'hui. Les passagers, ils étaient en mode blasé, regardez devant eux. Ouais, à force, ça fait plus peur, les mecs, hein. Faut arrêter, quoi. Non, mais putain, ils me renvoient sur cette île à la con, quoi, mais j'en ai marre! Bah, choisis une autre. Putain, mais y'a des livraisons que là-bas, ou quoi? Regarde! Putain, mais. Non, mais ça devient chiant là! Tu retournes dans la neige. Non, mais c'est. Je prends ces livraisons là pourquoi? Parce que c'est celle qui rapporte le plus! Mais bon, faire tout le temps le même trajet, au bout d'un moment, je t'avoue, c'est. Ça saoule! Bah, regarde pour aller ailleurs au pire. Hein. Ouais, non. Ah ouais, je veux rapporter le plus d'argent possible là, c'est tout. Hein. Oui, j'ai regardé justement ton argent, voir si tu pouvais te permettre de prendre une petite livraison à la place de prendre une grosse. Mais non, c'est vrai que t'es pas si riche que ça. Ouais. Tu es un peu pauvre, mon ami. Je sais. Non, je dis, ça devient lourd là. Tout le temps la même livraison, tout le temps la même putain d'île de merde.
Spock Island. Hein? C'est quoi? C'est pas, j'ai pas entendu. J'ai dit l'île de l'enculade. Logique. En fait, j'ai reçu une photo de l'écran de Zetri là en mode super modo activé. De quoi? Attends, non, merde, quoi, il y a trois mecs attaquistes comme par un mois que tu chopes, quoi. On va dire que Zetri il prend son boulot de modo très au sérieux. Désolé pour tout à l'heure, j'étais un peu à cran. Oui, bah non, on a remarqué qu'est-ce qui se passe, mon petit mini. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est la famille. Ah, d'accord. Ah, du coup, j'étais courir. Ah, et je me suis fait une bonne tisane. Comme une grand-mère, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, une bonne grand-mère, quoi. Aussi. La grand-mère ne court pas à la base. Hein. T'as pas une grand-mère qui fait avec ma race. Enfin, à part les grand-mères sur GTA San Andreas quand tu tires en l'air. Oui, c'est vrai. Ouais. Concrètement, quelqu'un tire en l'air, je pense que tout le monde court. Oui, non, mais là c'est, ouais, là, c'est la grand-mère avec son déambulateur là qui peine à se déplacer. Hein. Tu tires en l'air, elle se met à courir plus vite qu'Usain Bolt. Mais putain, les gens. Ça m'a fait de la peine. Voilà, mais avant, Vinyl, ça m'a fait de la peine. T'as pas apprécié mon nanoboost, quoi. C'est... Oh, mais il pue la merde. Je sais, mais ça m'a fait de la peine quand même. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu violent quand je l'ai dit. J'étais un peu steak. Bon, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a nanoboost à un très mauvais moment et je me dis, putain, c'est quoi ce nano? Et voilà. du coup, moi, voyant qu'il était un peu dans la merde, j'ai été l'aider. Tu sais, en écoutant mon grand cœur et mon cœur de macaque, j'ai été l'aider. J'aurais pas dû. Moi, c'est aussi formulé, moi. Non, mais je me suis fait tuer. Je te l'ai dit, la tourelle, elle était putain de morte au moment où j'étais nano, mais ce connard de singe, merde, il l'avait déjà replacé. Oui, parce que Tourbillon, c'est pas un être humain. C'est un singe. Oh là là, fini la verser au sel. Note qu'en même temps, pour moi, dans ce jeu, tout est un ennemi. Hein, je veux dire, Winston, Tourbillon, n'importe quoi, de toute façon, pour Anna, c'est un ennemi. Non, Moira, c'est une alliée. Pas quand elle est en face, c'est bouboule de d'anti-heal, là elle me font chier. C'est des bouboules de dégâts, elle t'empêche pas de te heal. Encore heureux. Quoi que ça serait pas mal. Franchement, non, je trouve qu'elle devrait one shot. Dès qu'elle touche quelqu'un, hop, t'as le sida. Si t'as le sida, en fait, ça peut te mettre plusieurs années à te tuer. Une game ne dure pas plusieurs années. Oh, oui, une gangrène. Une gangrène, c'est plus rapide déjà. Vu qu'elle peut en envoyer plusieurs, peut-être donner plusieurs maladies, tu sais, maladie aléatoire. Oui. Une crise cardiaque. Imagine le truc aléatoire dans ce jeu. Moira qui donne une maladie au pif. Non, le pire, c'est ta sœur. Elle chope un rhume et chaque fois qu'elle éternue, elle se téléporte dans le temps. Oh mon dieu. Oh putain, le bordel secret. Non mais, ça serait un mode qui serait drôle. Non mais, ça serait un mode rigolo à faire, c'est un mode, mais les compétences bug, c'est la seule maladie. Qu'on enlève du lot, c'est quand même la gérer parce que là c'est dégueulasse. N'empêche que c'est. Il a raison, Xivi, en fait. Un mode genre en arcade ou autre où tes compétences se déclenchent aléatoirement. Ça serait marrant. Genre avec Tracer, tout d'un coup tu fais un dash, t'es en mode. Ok, très bien. Ok, j'ai pas demandé d'être dans le vide. Merci le jeu. Tu te prépares à ulti et le jeu il rigole et tu ulti juste après qu'on rigole. Ça serait la grosse merde. Non, le plus drôle c'est que ça se déclenche aléatoirement, mais que toi tu ne puisses pas les déclencher. Oui. Non, que toi tu puisses les déclencher justement, comme ça te prend encore plus au dépourvu. Hein. Oh putain. T'imagines avec ta viande, t'es en train de t'aider à secouer, prends sa tourelle en main. Non mais le pire c'est que, le pire ce sera avec Tracer, tu sais, tu fais deux dashs en arrière. Hein. C'est pour bien t'éloigner en mode c'est bon, je suis safe, paf, un dash en avant. Ok. Oui, ou alors avec Winston. Oui. Ou Diva. La matrice de bouclier qui fait n'importe quoi quand il faut pas. Bah, le pire ce serait encore avec. Anna. Ta grenade de soin qui se lance toute seule. Hein. Ou Reynard, ton bouclier qui se désactive tout seul. Oui. Enfin, putain. Pourquoi? Ton perso qui se met à dasher tout seul alors que tu voulais juste te poser 2 secondes. En fait, ce mode ce serait le mode du sel, quoi. Bon, non, la ranked ne sera jamais rattrapée niveau sale.
Ah, quand même, un mode où les compétences se déclenchent et te font faire n'importe quoi et te font faire avoir des morts dégueulasses et débiles. Non, je pense que ça doit être pas mal niveau sel. Hein. Le seul qui serait tranquille, ça serait Raphaël à jouer, mais pas trop subir, je pense. En fait, c'est assez drôle parce qu'en compétitif, les seuls moments où je suis réellement salé, c'est jamais contre ma team, c'est contre ma co qui me fait avoir du ping. C'est le seul moment où je suis extrêmement salé. Ah, il vient de poser la livraison. Y'a quoi? Ah, ça y est, j'ai le mignon de Moira aussi. Il se casse au Groenland. Ah non, même pas en Irlande. The fuck. Qu'est-ce que t'as contre le Groenland? Bon, je préfère le Groenland. Je préfère le Groenland, perso. Ouais, alors, que ce soit son roi qui te fait ça. Ah oui, c'est vrai que ça serait pas mal aussi, ça, Ali. T'as inversé toutes tes compétences en mode aléatoire quand elle te pirate. Ça serait encore plus drôle. Mm-hmm. Sinon, il y a que moi que Discord il est en train de péter un plomb et que les voix sont pas super géniales. Si, si, non, non, ça bug. Non, moi ça va. Non, moi, je vais vous abandonner, je vais les stream dans mon coin comme un gros verre. Ou alors, un truc qui serait rigolo, c'est que certains persos aient des compétences d'autres persos. Ouais, on fout de la merde. Oui. Bon stream pour, le perso, pour lequel ça serait le bordel, ça serait pour Doomfist. Ah oui, Doomfist, tout d'un coup, tu veux t'échapper, genre tu veux faire ton uppercut pour t'échapper et paf, ça marche pas. À la place, tu fais un clic droit. De toute façon, j'aurais été mort par le temps. Mais en fait, un truc... Dans un trou par Lucio, tu veux faire ton point pour remonter, en fait, non, tu fais ça, mais celui pour te descendre. Oui. Putain. En fait, ce que je ne comprends toujours pas, en fait, c'est pourquoi des persos comme Doomfist peuvent annuler leur clic droit quand ils sentent que ça pue la merde, hein, qu'ils peuvent pas y aller. Mais par contre, une hanche qui a commencé à raise, non. Non, non, elle continue à raise jusqu'au bout, c'est tout. Bon, allez, je m'en vais vraiment, j'ai fini ma tisane. Ok, à tous. Mamie a fini sa tisane. Allez, mamie, bon livre à toi. Mamie va aller se mettre un livre et aller se mettre au lit. Voilà. Elle va se mettre un livre, quoi? Tu te le mets où, le livre, là? Parce que sinon, je peux aider, hein. T'as pas entendu? Bon appétit. Merci. Bon app. Non, Discord, il est en train de péter un plomb au niveau du ping ce soir, j'ai l'impression. Moi, ça va. C'est honnête. Moi, ça dépend. Ça dépend qui parle, en fait. Moi, c'est honnête. Franchement, je suis dans le vert, ça va. Toi, Zetri, par exemple, c'est... Non, moi, c'est très propre. Lâche-moi la crape, les gars. Xivi, c'est le pire. J'aurais peut-être dû remettre de l'essence, en fait. Oui, c'est vrai que je vais mettre le son du live pour écouter ce que t'entends au niveau Discord. C'est vrai que c'est dégueulasse chez toi, putain. Ouais, t'as vu? Pourtant, chez moi, c'est très 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 propre, monsieur. Pas chez moi. Je pense que ça vient de chez toi, le souci. Et pas du tout. Quoi, les soucis? Les soucis! Les soucis, les soucis! Mais putain, mais... Non, mais par contre, le temps du temps qu'il est compté pour traverser les murs, quoi, c'est débile. Bon, attends, je vois que j'ai... Non. Non, en fait, j'ai rien qui bouge la co, là. Rien du tout. Moi, en plus, j'ai rien. En plus, là, je joue à un jeu solo, donc je vois vraiment pas ce qu'il peut... En fait, je viens de réaliser, mais à chaque fois, le voyage jusqu'à cette putain d'île de merde, ça me coûte près de 15 000 euros. Oui, oui. Je vais arrêter d'y aller, hein, du coup, parce que ça me rapporte pas assez. Je vais avoir tes temps. Je vais le conduire. T'as un port combien? Hein? J'ai dit, t'as un mort, t'as un port combien? Là, j'en sais rien, je verrai à l'arrivée. Ouais. Là, tu t'as perdu 14 000. Non, t'as perdu 15 000. Je retourne en arrière pour voir combien la remorque t'as pris te rapporte.
Bon, attends. Mais comme ça, là, ça commence à m'insupporter ce son sur Discord, là, je veux voir. Mais non, mon ping, il est à 46 microsecondes, quoi, c'est... je vois pas, là. Hein. Ouais, non, je... Oh putain, la baisse. La quoi? Je dis la baisse jusqu'au bout. Ah bon? Bah, c'est simple, t'es à 21 000. Mm-hmm. T'es arrivé à 6 000, donc ça fait déjà que t'as perdu 15 000. Mm-hmm. On est d'accord. Ta remorque te rapporte 17 000. Super. En gros, t'as gagné que 2 000. Mais dans mes prochaines livraisons, il me dit « Ah, tu dois aller sur l'île là-bas. » Ouais, va chier. Hein. Non, va chier. J'en prends une autre. Puis bon, aussi, ne serait-ce que pour que d'un point de vue, j'en ai marre de tout le temps faire la même route. Hein. Et d'ailleurs, j'ai changé le serveur du Discord et maintenant, j'ai plus des voix dégueulasses. Ouais, pareil. Ah. Oui, je l'ai mis sur l'Europe centrale à la place de l'Europe de l'Ouest. Oui, bah moi, ça a rien changé au ping et vous en êtes aussi propre. Il augmente en étant chez des cocos, quoi. C'est... Apparemment, c'est l'Europe de l'Ouest qui est en train de... Ouais, peut-être le serveur de l'Europe de l'Ouest qui a les crafts. D'ailleurs, je me demande si, quand t'as les crafts comme ça, si tu changes de serveur, voir si c'est, ça passe ou pas. Je sais pas. Faudrait essayer la prochaine fois qu'on a un craft de merde à la con. Ouais, non, mais là, ça atteignait tous les serveurs Discord, hein. Oh. Je suis triste, alors. Putain, tu gagnes 2000 sur ta livraison. Oui, c'est de l'arnaque. Nas se fait manger par son fauteuil, ouais, c'est un peu ça. Ouais, t'as vu? Ouais, je m'en fous. De plus en plus, ça fallait dedans. C'est ça. Ah non, mais je me fais. Je me fais complètement manger par mon fauteuil. Hein. Nom, 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 nom. Ton fauteuil, c'est diva. C'est ça. Ah bah, si mon fauteuil était diva, je serais pas en train de faire un live. Oh, tu m'étonnes. Je suis en train de lui rentrer dedans. You know what I mean. Surtout si, ça, si son mecha peut faire autre chose que armure de guerre. C'est clair. Ouais, non, 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 ça coûte pas 15 000 euros, ça me coûte 3230 euros le voyage. Mais c'est déjà, c'est quand même putain de cher. Bah attends, comment ça se fait que t'étais à 21 000, puis après à... Je sais pas. C'est quoi qui t'a coûté aussi cher? Je sais pas. T'es à 21... Ah, là. Ah bah quand même, on va enfin voir autre chose, je veux dire, voilà, 852 km, il reste, mais... Ouais, non, non, mais en fait, j'ai moins 7000 euros, là. Peut-être le ferry qui te coûte cher. Là, t'as 21 000, là, t'as 21 000. Mais là, t'as moins 7000. Là, tu choisis ton truc, genre 21 000. Ouais, en gros, les prix qu'indique le ferry ne sont pas les bons. Non. Moi, je reviens. Ok. Ok. 3000, ouais, là, ça te dit que ça coûte 3000 des brouettes. Ouais, non, ouais, ouais. Non, non, c'est bien ce ferry à la con qui te coûte super cher. Moins 7000. Ouais. Bon, là, t'as rien gagné sur ta livraison. C'est ça. T'as perdu 30 000, tu gagnes 17 000. Ou un fauteuil May avec deux gros coussins. Ouais, ça c'est plus pour moi. Non, tu offres un tapis Tsuri May avec les deux gros seins à naze. Non, à moi. C'est moi qui parlais. Les gars, je peux vous ennuyer deux secondes? Vas-y. Non. Est-ce qu'il y en a un qui fait rien? Oui. Court. Non. Juste passer deux secondes sur mon stream, me dire si ça lag ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits lags pour le stream. Mmh. Alors voyons voir ça. Est-ce que t'en stream un jeu actuellement? Comme ça je peux directement cliquer dessus, j'ai pas besoin de me fatiguer. Oui. Pourquoi il n'est plus dans les amis, monsieur Vigny là? Parce qu'il est affiché en déco. En direct sur Twitch, voilà. Ouh, putain. Ouh, le roi.
Alors pour le moment, je vois ta petite fenêtre. Le player of the game se déroule. L'action de la partie de Trey Fox se passe très très bien. Il n'y a pas de petit lagune. Attends. Non, il y a pas de dans mon Twitch qui fonctionne à fond. C'est qui Trey Fox? C'est un compte sur lequel je jouais. Là c'est propre, ça lag pas, ça passe, c'est joli, c'est beau. Oui, non? Oh, joli la belle. Oh, la belle bombe! Oh, la belle bombe! Non, elle se lag, ça doit venir de ma quoi à moi. Comme je suis sur de live en même temps. Non, franchement, non, ça lag pas. Hein. Ça a pas l'air de freeze, non. Ok, merci. Ouh, le joli ult de Macri. Ah, le Macri, il était magnifique, j'en ai eu qu'un seul dans toute ma vie, celui-là. Ouh, la belle bombe jetée. Non, franchement, non, ça va. Ok, merci. C'est propre. Ouais, du coup, je repars, c'est bien gentil de... Y'a pas de quoi. Peut-être que moi j'ai dit y'a pas de soucis alors que je vais rien faire. Pareil, moi je suis sur Overwatch donc. J'ai du mal à aller voir. J'étais obligé de faire un autre prêt à 100 000 euros histoire de pouvoir combler mon découvert. Oui, non, mais là, je t'ai dit, t'as perdu 30 000. Monsieur, vous n'êtes pas rentable en affaires. Hein. Il faut savoir négocier. J'ai pris un soldat, parce que personne ne le fait. Truc, mais je sais plus c'est quoi, moi. Super. Merde, quel con. Oui, effectivement, ça rapporte 17 905 euros. Putain de merde. Ouais. Quelle arnaque. Merde, je vais faire un truc, je sais plus c'est quoi. Tant pis. Oh, tant pis, merde. Merde. Ouais, merde. Berde alors. Berde alors. Super, t'as gagné 1000 sur cette livraison. Même pas. T'as dû faire un prêt en plus. Même pas, j'ai rien gagné. Ah. La belle enculade. C'est clair. Bon, prochaine fois qu'il me demande d'aller sur cette île de merde, ça va te faire foutre, hein. En vrai, pour être rentable, faudrait que t'évites justement de prendre tout ce qui est ferry et autres, comme ça t'as rien à payer. Que de la route. Oh, mais encore, les autres ferries, ça va, en général c'est du 600 euros, hein. Ouais. Là, ça veut quand même une sacrée somme 600 boules à sortir. Ouais, et, ben, le ferry pour aller jusqu'au Groenland, c'est 15 000 euros. Voilà, moi je dis ça, hein. Mm-hmm. x2, parce qu'après il faut faire le retour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez livrer cette remorque en prenant le ferry à vos frais? Pas de problème, c'est du 15 000... Attendez, à mes frais? La remorque rapporte combien? 17 000 euros? Et le ferry est à 15 000 euros? Non. Non, allez vous faire foutre, merci. Oui, non mais c'est vrai qu'un portier intelligent te dirait, faudrait peut-être pas faire voyage. Ouais. Bon, t'es gens, avec toi, il fait bon, ouais, t'as peut-être arrêté là au Groenland, monsieur. C'est un peu cher. Je veux bien faire l'aller, mais pas le retour. Hein. Ouais, tu fais même pas l'aller. Tu vas même pas chercher la remorque s'il te paye pas. Oui, j'ai fait du deux roues avec mon camion, petite citrouille, effectivement. Je veux dire, si tu gagnes que 2000, tu gagnes rien. Tu perds. Hein. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, je peux pas abandonner la remorque parce qu'il y a des frais si tu abandonnes la remorque dans le bon. Oui, là t'es obligé de la finir jusqu'au bout. Le mec, il doit être content. Oh putain, un bon pigeon, eh. C'est ça. Mais c'est surtout que ça me coûte 15 000 euros si j'abandonne la remorque. Putain. En gros, bon, bah c'est logique parce que faut payer un nouveau chauffeur, quoi. Voilà.
Tweet. Doum. Tiens, quelqu'un qui s'est connecté. Refire. Bah, au revoir Fire alors. Adieu Fire. Pourquoi elle a refait bouton? Non, c'est juste qu'elle répond pas. Ah non, elle est en muet pour le moment. Elle peut pas nous répondre. Ah, elle ne peut pas répondre, elle a la bouche pleine. Oh, pardon. Oh là là. Bah quoi? Non, rien. Faut pas le problème d'abord. Salut Lothaire. Et bienvenue sur ce live. Je vois la différence entre les 60 FPS et les 30 hein, avec Soldat. Je passe de 80% de précision à 22. LOL. Notaire, tu sais, tu peux faire des phrases complètes sans écrire mot par mot, en fait. C'est clair. Le temps du télégraphe, c'est fini. Hein. Voilà, stop. Salut, stop. Ah, stop. Tous, stop. C'est, stop. La salle, stop. Par contre, il est long, ce trajet, là. Donc là il va falloir vraiment que j'aille... Dégage de la voie, connard. Il faut que j'aille remettre de... Bon, casse-toi, je m'en fous, je te rentre dedans. Rien à foutre. C'est bon, j'ai pris 0% de dégâts sur la remorque et sur le camion, rien à foutre. Je m'en fous, je m'en vais, salut. Je vais de dégager, hein. Je viens de voir que ça fait plus de 10 ans que tu fais des vidéos. T'as vu un peu? Et il y en a, ils font des... Des vidéos super montées, tout machin, pour 3 ans. De... D'accord. Vous êtes des petits joueurs, les gars. C'est ça. Nashbox, c'est le papy de YouTube. Je suis dessus depuis 2007. Et si je me rappelle bien, YouTube, c'est depuis 2005, non? Ouais. Liberté au Pachimari! C'est pas très naze. What? Je crois qu'il voulait faire un jeu de mots pour dire que c'était bien. Hein? Voilà. Il est pas peu raté son jeu de mots là? Un peu, ouais, mais... C'est pas grave! On lui voudra pas! Oui, c'était Google Vidéo. Et non, Google Vidéo n'existait même pas. Voilà. YouTube a existé en premier. Google Images commençait tout juste à exister à l'époque. Tout juste. Bon, ils me veulent quoi, la banque, là? Je suis plus à découvert, putain. Non. Pas pour ma part, du moins. Non, on connaît pas. Vous connaissez Ecosia, oui, c'est le... C'est le moteur de recherche écologique, là. En gros, à chaque fois que tu fais une, moteur de... une recherche sur ce moteur de recherche-là, ça aide à planter des arbres, des trucs du genre. Sympa. Nous devrions l'intégrer à Pornhub ou YouPorn, ça serait efficace. Mm-hmm. Je crois qu'ils avaient intégré ce genre de choses, mais... Tout au long de la journée, je ne fais que rouler.
C'est à peu près ça. Yep. Ça avance pas avec les deux camions là-bas au devant. Hein. Oui. C'est pour ça que j'essaie de les dépasser depuis tout à l'heure, mais que les passes d'autoroute sont pas assez longues. T'es sûr quelle map? Une map de pro mode, je dirais. Oui, c'est ça. De toute façon, mon jeu il est modé, hein, donc bon. Après, quel pays exactement? Alors là, le pays, j'en sais strictement rien. Je sais pas, les décors sont trop neutres en fait pour voir. On peut regarder la carte. Attends. La map elle dit qu'on est du côté de d'une ville qui s'appelle Jönköping. Jönköping. Je connais pas. Alors... en Suède. Cool. Il doit y avoir donc des jolies blondes. Tout est en Suède. Bon, Ersmaltzupeni, là, t'avances. Putain. Ersmaltzupenis. Hein? Penny. Il n'y avait pas de S. Ouais, oh. Et pour quelques pennies, Annie. Oui, je l'ai empêché de sortir en fait pour lui repasser devant. C'était... Oui, je vois ça. tu l'as doublé sur la sortie. Oui. Et tout ça pour reprendre, et tout ça pour reprendre la sortie. Sérieux. Je suis un enculé en fait. Ah non, mais c'est tellement pas légal ce que tu viens de faire. Là, le camionneur, il a juste dû m'insulter de tous les noms, hein. Après, on se demande pourquoi s'il y a des camions qui sont buggés en plein milieu de la route. On vient de trouver pourquoi. Bah, en même temps, le camion buggé au milieu de la route, c'était pas ma faute, hein. C'était peut-être un ancien camion que tu es passé aussi comme ça devant. Ah, oh, bah, ça va. Ah, il m'a vu dans ses rétros, il a fait un blocage psychologique. Oh, bah, non, non, pas lui. Ah non. Putain, il y a certaines limitations sur cette route, faut être au taquet sur les réflexes hein, pour les respecter. À ce point. Dans ça, il y avait littéralement 30 cm de route limitée à 70 à l'heure. Bonne chance. Ah oui. Et je tiens pas ma droite en plus. Tout à l'heure, j'empiète sur la voie de gauche. Ah bah bravo. Ah bah bravo, monsieur. Ah, c'est sympa le lac sur le côté, par contre. Ouais, bah j'aime bien ce décor, en fait. Ça change un peu de pas rouler sur ces autoroutes à la con. Tu joues un multi-RP sur Euro Truck Simulator 2 ? Non. Non. Non, aucun intérêt, parce que les gens, ils roulent à 230 à l'heure sur l'autoroute. Puis bon, moi le but de Euro Truck Simulator 2, c'est d'essayer de rouler à peu près comme dans la vraie vie. Attends, RP sur un jeu de camion? Oui, RP, en gros, RP, ça veut dire genre respecter l'imitation et tout. Ah, je croyais qu'il faisait du roleplay. oui, c'est un peu ça. C'est du roleplay en fait. Hein. Ouais, non, mais du roleplay jusqu'au bout, quoi. Ouais. Pas seulement conduisant son camion. Ah, c'est bon. Ah oui, avec les mecs qui s'arrêtent sur des airs pour boire des cafés et tout. Ah non, ouais, sérieux. Merde. D'accord. Merde. Faut exagérer, mon petit zétrien. Oh, merde. Mais j'avoue que l'idée est sympa. Moi, tu pourrais jouer jusqu'au bout, quoi. Tu serais un vrai camionneur. Ouais, qui gagne rien pour ce qu'il fait. Oui, malheureusement. Oui, alors là, le jeu, tu peux me dire que c'est limité à 50, ça me fait chier de rouler à 50, alors va te faire foutre. Ok. Il y a un camion qui vient de disparaître. Deux camions qui viennent de disparaître.
C'est beau. Et faire monter une jolie jeune femme dans son camion. Voilà. Surtout faire monter une jolie jeune femme dans son camion et puis qu'une semaine plus tard, les recherches n'aient toujours pas retrouvé le corps de la demoiselle. Ah, c'est pas le même délire que Citrouille, écoute. Non. Citrouille, elle veut juste voir le levier de vitesse. Ah, ça. Tu joues. Bah, étant donné que tu as la webcam avec le clavier et la souris et que ses doigts ne sont pas dessus, je te laisse deviner avec quoi il joue. Étant donné que je suis très fluide avec mon volant, à ton avis, avec quoi est-ce que je joue? Avec son pénis. Ouais, ça aussi, mais surtout avec quel accessoire? Voilà. T'as gagné, Inor? Pas encore, mais pas loin. BTE avec sa bite. Bravo, Elise. Non, mais c'est bien, c'est des femelles qui sont les plus perverses. C'est ça. Ah, Elise, ces petites citrouilles, elles se tiennent bien. Hein. Oui, bah oui, la petite citrouille, elle ajoute une couche juste en dessous. Avec son gros levier de vitesse. Oh là là. Diffusion non adaptée à tous les annonceurs. Ouais, là, je suis d'accord. Ah, putain, l'enculé. Cette pauvreté sur ton compte en ce moment. Cette pauvreté quoi? Le petit 4000. Ah non, je suis à 8 ans de 4000 là. 8 ans de 4000. Oui. Oui, j'ai refait un prêt à 100 000, attends. Ah oui. Non, rien, Elise, rien. Voyons. On sait juste ce que tu veux. C'est ça. On est au courant, moi. On va dire qu'on est au courant. Oui, voilà. Salut, je suis Passage, je fais un sondage. Quel est ton métier si tu viens à la miniature? Quel est ton métier? Quel est ton métier? Putain. Merci pour si tu fais un sondage, s'il te plaît, fais-le en français. Merci. Merci pour le passage qui m'a fait faire avoir un accident, mais... sinon, bienvenue sur le live. Voilà. Sinon, on va reprendre la route. Et sinon, sinon mon métier, c'est vendeur. Voilà. Et pour le deuxième de la chaîne, c'est graphiste. Voilà. Un mauvais graphiste, au passage. Très mauvais graphiste. Oh, Elise, viens, on va te donner un coup de main. Et pas qu'un coup de main. Il fait nos batailles. Et question bête, Dreamates, pourquoi tu fais ce sondage? Si t'es encore là, bien sûr. Gagné! Alexandre a 18 victimes, on sort l'objectif. Je savais pas que les gens passaient sur Twitch pour faire des sondages. Moi non plus. 28% de précision, par contre, je suis nul. On en apprend tous les jours, hein. Oui, voilà. Mais j'aimerais bien quand même savoir à quoi va servir ce sondage, en fait. C'est... On sait rien. Ah, voilà. Calcule quelle moyenne, il fait quoi? C'est un sondage personnel, c'est quoi? C'est juste de la curiosité, c'est quoi? C'est... Oui, c'est... Des streamers, peut-être? Ouais, savoir combien travaille, combien sont au chômage, je sais pas. On saura pas, en fait. Non, on saura pas, il est déjà parti, à mon avis. Tant pis. Non, il est toujours là, je suis dans la liste des spectateurs, il est là.
arriver le mignon de la mignonne. Oui, j'ai le mignon de Moria, Moira, je crois pas. GG. C'est bien, j'ai eu pratiquement la sortie du perso. Bah, j'ai eu pratiquement au premier, la première fois que j'ai utilisé aussi, du coup. J'ai pas eu parce que ce perso ne m'intéresse pas. Moi, oh, j'aime bien la jouer, elle est sympa. Heureux, Xav. Je sais que je joue là. Bah, pourquoi t'écris Poupi dans le chat, connard, et qui parle pas depuis tout à l'heure? D'ailleurs, pourquoi tu dis le nom de mon caniche royal qui est mort depuis 2 ans, depuis quelques temps là? J'aimerais savoir. Poupou! Parce que Poupi! Il s'appelait Poupi, mon chien. Ah, voilà. Pourquoi j'ai Poupi? Bah, c'est le bruit que fait Bob en fait. J'ai Poupi! Ah bon? Ouais, en effet. Ah, désolé. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Poupi! Marqué comme les... Marqué... Bah oui, voilà. Après, Bubble Bobble, ils font pas de bruit à la base parce que c'est un jeu NES. Oui, voilà. Mais ils ont qu'une... Bah, je sais pas, je pense que ça doit être tiré des jeux plus récents, guillemets. Parce qu'il y a des jeux plus récents. Ouais, ils ont fait sur les 4 tons, pratiquement tous les supports. Hein. Putain, J'avais même un jeu Bubble Bobble sur PC, pour dire. Il y a rien à faire, les gens ils aiment bien te regarder jouer au Rotorik. Hein. Pourquoi? Bah 12 likes. Oh. Les 3 dislikes habituels, mais ça. Oui, bon, ça c'est normal. Ouais. Sans... On finit par même les deux couilles. C'est ça. On finit par même plus les compter, on s'en bat les couilles, quoi. On ne s'en bat les couilles, frère. Putain, mais j'ai une Marseillaise dans mon bureau, c'est dingue, je bouffe son accent. C'est chiant d'être un buvard à accent. Ça me bat les couilles. Elle m'en bat les couilles, frère. Ah bah du coup il suffisait que je le dise pour qu'il y en ait la 13ème. Putain, Dremez est mort. Laisse tomber Zetri. Je n'abandonnerai pas. Dremez est mort. Je n'abandonnerai jamais. Dremez est mort. Non, non. Annonce l'heure du décès maintenant. Tu ne peux plus rien pour lui. Non, je n'abandonnerai pas. Il n'y a plus d'espoir. Dremez est mort. Dremez est mort. Longue vie Dremez. Hein? Hein? C'est pas des bretzels, hein? Oh, des bretzels! J'ai envie de bouffer du biscuit salé maintenant. Je sais qu'il ne faut pas parler de biscuit salé quand il y en a, à chaque fois ça lui donne pas. C'est bon, voyez, il y en a nouveau, ma mère en a racheté. Le jour où tu goûteras un palais breton, t'auras plus envie de tes biscuits salés. Le jour où tu goûteras des crêpes italiens, tu sauras ce que c'est qu'un vrai biscuit salé. Des grecs italiens. Des crecs, ça s'appelle des crecs. Non, parce que là, le palais breton, pour moi, vous venez parler d'un palais qui a été fait en Bretagne, et un grec italien, ok. C'est un peu ça, les palais bretons sont des biscuits en forme de palais de hockey. Ah, des palais, moi je pensais plutôt au palais, tu sais, genre le... Ouais, moi aussi, vous voyez, c'est le grand truc, quoi. Oui. Avec les portes, les fenêtres et tout. Oui, en même temps, avec des portes et des fenêtres, c'est mieux un palais, je t'avoue. Des portes, des fenêtres, de la richesse, putain. Un petit coffre-fort par-ci par-là. Je crois que la richesse, on peut s'en passer pour un palais, plus ou moins, mais... Les portes, les fenêtres... Ouais. Bon, par contre, c'est quoi ce bordel? Je chauffe et il fait caillant, je reviens. Ok. Je chauffe et il fait caillant. Petit mode caliente avec texture 4K pour les tétons. Je te voudrais bien. Donc voilà, là je peux le dire, Dremez nous a vraiment quitté. Merci pour ton sondage et merci de ne pas avoir répondu à nos questions. Voilà. La prochaine fois, on t'enverra chier. Voilà, probablement. Non, merde alors. Je suis désolé, quand on te pose un sondage et qu'on te demande c'est pourquoi, c'est ceci, c'est cela, tu te dois de répondre. C'est vrai. Parce que si c'est une entreprise, tu dois savoir que c'est une entreprise qui fait cette démarche. C'est ça.
Attends, je vais voir une sur Twitch. Passe mon vide, 0 pip, pollution, rien. Et suivi. J'adore le fait que ce soit limité à 50 et je suis en train de dépasser la voiture à côté là. J'aime ma vie. Sur Twitch, il y a vraiment tout et n'importe quoi en fait. Hein. Pourquoi ? Là, je suis atterri sur une chaîne où c'est que la gonzesse me fait à bouffer en live. Pourquoi ? Oh, sinon, là, pourquoi je me suis pris des. Pourquoi je me suis pris des dégâts ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, mais t'es sérieux ? Je prenais juste mon rond-point, il s'est passé quoi là ? C'est un bug ! Putain de merde ! Soul. D'accord, l'OTR Z date aussi. Je pense. Je suppose. Oh ouais, si cette vidéo t'ennuie, l'OTR, je t'invite à aller regarder une autre. Hein. C'est ça. Oui, voilà. Nous ne forçons personne à rester. Quand même limité à 140 les autoroutes ici, putain. Ça va, ça roule bien. Pas de l'autoroute de ta fiole. Génial, le radiateur de mon salon est pété. Oh. Oh, nice. T'es heureux, hein. Tu sais, le seul que j'aimerais qui fonctionne. Ah, c'est cool. Hein. Limite, les deux autres, je m'en fous. Celui de ma salle de bain et de ma cuisine, je m'en branle. Celui de ma salle de bain est un peu utile, mais... Voilà. Ouais, il est utile le matin, quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, celui du salon, c'est là où je vis, tu vois, c'est... Et c'est celui-là qui est pété, évidemment. Et c'est forcément celui-là qui est pété. Logique. Nice. C'est pour faire chier. Nice. Mais il y a un peu de chaleur qui passe dans le tuyau, mais c'est pas aussi chaud que les autres. Bah, okay. Rapproche-toi du tuyau, alors. Oui, bien sûr. Alors... J'ai pris mon virage un peu large, là, j'avoue. Désolé, monsieur. Et elle m'aura rien rapporté cette remorque alors hein. Non. Mais rien du tout, la misère. Ah je te l'ai dit hein, t'as perdu 30 000 sur ta livraison. Mmh. Sans compter les amendes et les conneries du genre. Ouais. Enfin, au total t'as perdu que 15 000. Non, 28 000. Elle rapporte clairement pas assez cette putain de remorque. Oh, tu t'es fait baiser. Totalement. Je veux dire, ce serait arrivé dans la vie réelle. Ce serait arrivé dans la vie réelle, le camionneur il se serait déjà retourné. Hein. Il serait déjà retourné contre la boîte en mode oui, bon, non. Non, vraiment pas. D'accord, donc le fait d'avoir mal à l'épaule quand tu manges trop, c'est normal. Ok, je vois pas la logique, mais ok. C'est intéressant. Pourquoi pas? Je vais quand même aller voir un spécialiste pour ça, on sait jamais. Bon, ça fait quelques années que j'ai ça. En même temps, fais plus confiance. En même temps, moi je te dirais, quand j'ai un bout de pain qui passe mal, ça me fait mal dans le bas du dos. Hein, donc bon. Oui, mais ça, c'est lié à des reflux gastriques et tout, c'est normal. Ça, je le savais. Mais quand tu manges trop, apparemment... Enfin, parce que quand je mange trop, généralement, j'ai mal à l'épaule gauche. C'est toujours la gauche, c'est jamais la droite, juste la gauche.
Et apparemment, ce serait normal. Ah oui, non, puis en plus, Zetri, vu que le jeu m'a fait bugger sur un bout de rond-point et que j'ai pris 2% de dégâts sur la remorque, c'est moins 1367€ aussi, hein. Ah, la remorque de la belle. C'est ça. Récompense de base, 15 000. Bonus de compétence, 2 000. Pénalité de dégâts, moins 1000. Bah, c'est de la merde, cette remorque. Tu viens de te faire enfler. C'est ça. Et si je retourne sur le marché du travail, elle va où la remorque? Enfin, je dois aller la chercher où? Non, parce que suivant où je dois aller la chercher. Cette île à la merde. Bah, bah, citrouille. Oui, c'est ça, c'est cette île à la con. Alors, non, non, voilà. Voilà. Ah, bah, ok. En gros, c'est... j'ai la maladie du. Enfin, si j'en crois ce que je lis là. Maladie du reflux gastro-œsophagien. Alors là, c'est style à la con. Là, c'est style à la con. Là, c'est pas style à la con et elle est quand même à 19 000. Hein. Voilà. Elle est pas si loin en plus. On va l'éviter, cette putain d'île à la con. D'accord, bref. Je vais aller voir un médecin. Sur ce, les gens, si c'est du jeu qui vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément plaisir pour sinon rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc c'était Nosband et tout le reste. Et les bien, bonsoir les gens. Bye les gens, bonne soirée, bonne journée, amusez-vous bien, bonne branlette. Bye bye. Voilà. Pour vous servir, bye. Ah non, hein, pas, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore débloqué, je peux pas aller débloquer. Avec Chiron, ses chansons à con. Avec je préférais quand même la version débile.